Alors, on va essayer de faire une première démonstration concernant la programmation orientée objet en Java. Et surtout comprendre comment passer de C, du langage de programmation procédural structuré, vers le langage de programmation orienté objet Java. Alors, bien sûr, déjà un premier programme en C qui affiche tout simplement bonjour. Vous pouvez faire par exemple void main ou bien int main, ça dépend du compilateur utilisé derrière. On peut mettre print hello world, d'accord? En Java, la différence de C, Java, c'est un langage de programmation purement orienté objet. C'est-à-dire purement orienté objet, je dois passer obligatoirement par le concept de classe. Parce que par la suite, nous allons voir que la classe qui va nous permettre de créer des objets. C'est pour cela ici, tout ce qui est en rouge, donc c'est presque différent de C. Donc, en Java, je dois écrire pour créer un message ou bien afficher Hello World, je dois créer déjà une classe. Le mot-clé classe suivi par un nom de la classe. Ici, ma classe s'appelle test. Le début de la classe et la fin de la classe. Jusqu'à maintenant, il s'agit d'une classe. Si je vais mettre tout simplement, par exemple, dans n'importe quel éditeur, créer un programme, une classe Java, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais faire classe. Le nom, c'est obligatoire. Début de la classe. Non. Début de la classe. Et la fin de la classe. C'est bon, j'ai créé une classe en Java. Ce sont les éléments minimaux qu'il faut mettre en place pour créer une classe qui s'appelle test. Chaque classe a un début et une fin. Par la suite, nous allons voir que la classe gère des données. Donc, à trouver selon un modèle et à déclarer. Et la deuxième partie d'une classe, à la différence de la programmation procédurale structurée, je trouve dans une classe à la fois les données et la deuxième partie qui est très importante, il s'agit des méthodes. On dit méthodes dans le jargon de la programmation orientée objet, qui signifie tout simplement chaque méthode, c'est une fonction ou bien procédure. D'accord. Pour maintenant afficher bonjour, pour afficher bonjour, il faut au moins avoir une méthode main. Cette méthode doit avoir une signature. Elle doit avoir la même écriture que je suis en train de faire, c'est-à-dire public static void main. Un tableau de chaîne de caractères, le début de la fonction, la fin de la fonction. Alors, par le biais de ce petit code source-là, je peux dire que ma classe, maintenant, elle est exécutable. C'est-à-dire, je peux l'exécuter. Pourquoi l'exécuter? Parce qu'elle contient la méthode main. Et la méthode main, il faut respecter sa signature. Autrement dit, si vous allez mettre int main, votre classe n'est pas exécutable. D'accord? Si à la place de cette méthode, votre méthode contient int main, la classe n'est pas exécutable. Pour qu'elle soit exécutable, obligatoirement, elle doit avoir ça, l'autre. Alors, public static void, je dois y écrire. D'accord? Elle doit avoir ça finalement. Public static void main, un tableau de chaîne de caractères. Maintenant, pour afficher au lieu de print, c'est une règle. Tu souhaites afficher quelque chose, on sait, utilise print. Tu souhaites afficher quelque chose en Java, utilise system.out.print. Ou bien pour println pour revenir à la ligne. Donc ici, je vais tout simplement, c'est une classe exécutable parce qu'elle a le main. Et pendant cette exécution, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va afficher un message hello. Alors, par la suite, une fois savoir
afficher un message à l'écran, il faut aller vers l'avant, c'est-à-dire penser à gérer des données. Parce que n'importe quelle application, finalement, elle fait quoi? Elle gère des données. D'accord? La gestion des clients, la gestion des produits, mais finalement, ce sont des données derrière qui sont enregistrées dans la base de données. Je crée un client, je recherche un client, mais un client, c'est quoi? C'est un ensemble de données. Un produit, c'est quoi? C'est un ensemble de données. Donc, il faut être capable de gérer les données. Pour gérer les données, il faut savoir les déclarer. Alors, en Java, il y a des types. Il faut les déclarer selon des types. Comme pour tout programme informatique, Java traite de données pour répondre à des besoins spécifiques. Pour la gestion des produits, j'ai besoin d'un ID de type int, ou bien de type lang, d'une désignation de type chaîne de caractères, d'un prix de type date, et ainsi de suite. Ces données peuvent être catégorisées en deux parties principales. Les données primitives. Il s'agit des types atomiques. C'est quoi un type primitif? Par exemple ici, je peux mettre cette valeur, cette variable A, si elle est primitive, A égale à 3. Est-ce que 3 c'est décomposable? 3, tu peux le décomposer? Décomposer comment tu vas décomposer 3? Non, ça c'est une opération mathématique, 1 plus 2. Est-ce qu'il contient plusieurs choses? Je donne un autre exemple. Un produit, un article ou bien un produit, est-ce qu'il est atomique? Non. Un produit contient un ID qui est égal à 4, une désignation qui est égale à lettre, un prix qui est égal à 5000. D'accord? Donc le produit, c'est un type qu'on peut le créer par la suite, notre propre type, mais c'est un type personnalisé, c'est un type complexe. C'est-à-dire il est composé de l'ID, de la désignation de plusieurs choses. Par contre, A égale à 3, c'est un type atomique. Maintenant, ID égale à 4, ou bien 7. ID, c'est atomique, c'est un type primitif. Désignation égale à lettre. C'est un type atomique. Donc, c'est quoi un type complexe? Un type complexe, par exemple produit, il est composé d'un ensemble de types atomiques. Et il peut avoir aussi des types composés. Un type de composé ou bien complexe, il peut avoir des types atomiques et aussi des types composés. Par contre, un type primitif, il a des valeurs atomiques. D'accord? Par exemple, 4, 5, 6, 1,2 et ainsi de suite. Alors, les données structurées complexes, ce sont des données structurées complexes prédéfinies ou développées par autre tiers. Par exemple, dans le cas de Java, nous allons par la suite définir nos propres données. Par exemple, produit, nous allons le définir. Et nous allons voir quels sont les moyens pour définir notre propre type. Sinon, en Java, il y a des milliers de types qui sont prédéfinis et qui sont utilisables. Il faut juste les connaître et savoir les utiliser. Alors, les données structurées complexes à définir par le programmeur Java, ou bien lui-même, ou bien ce sont des besoins spécifiques, mais après la conception de ces données. Je reviens par les types primitifs parce que ce sont les bases. Une donnée primitive est une donnée atomique prédéfinie en Java et Java dispose des primitives suivantes. Il y a char, la taille normalement c'est un seul caractère je pense, sinon il faut mesurer sa taille. Le byte, short, int, length, float, double, boolean, ce sont des types primitifs que je peux utiliser. Maintenant, pour déclarer une donnée en Java, la même chose. Comme on sait pour déclarer un entier, int A, int I, la même chose en Java. Pour déclarer, on sait un caractère, char C, la même chose en Java. Pour déclarer, on sait une boolean, il n'y a pas le type boolean. Il y a soit int, soit... D'accord, il n'y a pas le type on sait boolean. Il n'y a pas ce type. Tu peux dire 0 ou bien 1. Sinon, tu peux utiliser define boolean true, define boolean false 0. D'accord?
après leur déclaration, je déclare et je peux utiliser. D'accord? Donc, je peux, soit les boucles sont utilisées en Java aussi. Alors, maintenant, ça, c'est un petit programme en C. On va l'interpréter. Qu'est-ce qu'il fait, ce programme en C? Ce programme en C, qu'est-ce qu'il fait? Je déclare un entier A, un entier B et un entier I. Pour A, j'affecte la valeur 2. Pour B, je donne 10. Et je vais par la suite. Est-ce que A est supérieur à B? Parce que A égale à 2 et B égale à 10. Est-ce que A est supérieur à B? Non. Est-ce que je vais afficher celui-là? Non. Je vais aller ici. Est-ce que A égale à B? Non. Est-ce que je vais afficher ça? Non. Donc, je suis dans le else. Donc, je vais afficher 2 est inférieur à 10. Tout simplement. Et ici, qu'est-ce que je vais faire encore? Je suis toujours dans le else. Je vais afficher pour i égale à a, c'est-à-dire pour i égale à 2 jusqu'à 10, je vais afficher i. C'est-à-dire je vais afficher 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, dans cet exemple, qu'est-ce que j'ai essayé de mettre? Il faut être capable de déclarer des données, de comprendre c'est quoi une structure de contrôle, les conditions ici, le if-else, et comment utiliser une boucle. Donc, ça suppose que vous connaissez déjà ça. Si je souhaite reprendre la même chose en Java, nous avons dit que pour créer un programme en Java, et surtout un programme exécutable, il faut deux choses. Java est purement orienté objet, donc j'ai besoin de définir une classe, classe test. Ici, le public, c'est pas obligatoire. Je peux éliminer ça parce que pour ne pas trop compliquer la chose. Donc, ici, j'ai test la classe. À l'intérieur, j'ai une méthode main. Donc, mon programme, il est exécutable. De la même manière, je déclare A, B, I. Je donne A, I égale à 2. Je donne A, B égale à 10. Est-ce la même écriture? Est-ce qu'il y a une différence? Non, pas de différence. Mais le minimum des choses qu'il faut faire en Java pour écrire un programme informatique. Pour les tableaux, vous avez fait les tableaux en C. Donc, pour initialiser un tableau en C, vous devez faire ça. Pour utiliser un autre tableau, donc soit le créer et l'initialiser, soit le créer et avoir un nombre de cases. Ici, je peux afficher le contenu de table 1. Et ici, je peux mettre ici initialiser table 2 d'une autre manière. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je déclare deux tableaux et le premier tableau, je l'affiche et le deuxième tableau, parce qu'il n'est pas initialisé, je l'initialise et je l'affiche. La même chose en Java, sauf en Java. Donc tu peux mettre ça, d'accord, pour initialiser. Mais pour la deuxième déclaration, tu ne peux pas la faire. Ce n'est pas de la même manière pour les tableaux. Donc pour créer un tableau, tu dois passer par cette affaire-là. Int tab 3, tu ne vas pas préciser la taille. Tu ne vas pas préciser la taille. Et tu vas dire tab 3 égale à new int 5 pour réserver l'espace mémoire pour 5 entiers. Et le reste, c'est la même chose. Alors, maintenant, il faut être capable de définir un programme, par exemple, qui calcule la somme de deux nombres en Java. Maintenant, on va essayer de créer des programmes en Java. Pour créer des programmes en Java, si vous n'avez pas l'IDE, parce que ici, j'ai un IDE qui s'appelle Eclipse, c'est un environnement de développement intégré, dans lequel, tout simplement, je peux mettre New, Eclipse, après son installation. C'est simple à installer, on va voir par la suite. S'il vous plaît. C'est simple à installer Eclipse. Une fois Eclipse installé, vous pouvez faire File, New, Project, Java Project, Next. Je vais faire Projet. Je vais le nommer WWM parce que ici dans Java, il faut créer un projet. S'il vous plaît.
il faut créer un projet. D'accord? Donc, projet name, je l'ai appelé projet DWM. Et ici, c'est marqué, nous sommes en train d'utiliser le Java 8. Je vais mettre finish. Now, ce n'est pas la peine de faire ça. Et voilà, j'ai mon projet qui est créé. Comme le cas de Word, pour créer un nouveau document, vous allez faire fichier, nouveau document. Maintenant, fichier, nouveau projet. Ce projet-là, une fois le créé, il a un emplacement physique. Il existe quelque part. Moi, on n'a pas fait attention à ça. Mais si je souhaite créer un nouveau projet, test 5, d'accord. Vous voyez ici, moi j'ai un dossier par défaut dans lequel j'enregistre mes projets. Il s'appelle comment ce chemin? Il s'appelle c2.projet avec S. D'accord? C'est mon dossier. Si vous souhaitez changer l'emplacement, vous pouvez créer un autre dossier et enregistrer dedans. Sinon, vous pouvez le changer, changer la location. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai créé jusqu'à maintenant? J'ai créé un projet qui s'appelle DWM. Ce projet-là, il existe dans ces deux points, et projet. Voilà. Je vais ici trouver projet DWM. Dans ce projet-là, parce que tu as travaillé avec Eclipse, une fois créé le projet, il va te créer une arborescence de projet. L'élément le plus important dans ce projet-là, c'est ce dossier qui s'appelle SRC. C'est dans ce dossier où je vais mettre mes fichiers sources ou bien mes classes. Dans un premier temps, nous allons utiliser, tu peux pour une meilleure organisation, tu peux créer un package pour regrouper des classes, comme si un dossier dans un dossier. Ce dossier-là, parce qu'on souhaite faire la gestion du produit, je vais le nommer produit. C'est un package de produits. C'est un dossier. Maintenant, si je vais aller vérifier vers mon projet racine, je trouve qu'il y a un dossier qui a été créé. Donc, package égale à dossier final. Par la suite, je vais enregistrer les classes ici. C'est-à-dire, si je souhaite créer une classe, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire file. Attendez, vous n'êtes pas encore. Je clique sur produit, le package. Si tu vas cliquer ici, faire new, il va te créer l'élément dans SRC. Si tu souhaites le créer dans produit, parce que ma classe que je souhaite la créer, c'est dans produit. Je vais la mettre ici. Donc, je sélectionne produit. Je fais new. New quoi? New class. Sinon, tu utilises le filtre. D'accord? Classe. Pour afficher. Qu'est-ce que je vais créer? Une nouvelle classe. Parce que j'ai dit, pour créer au moins un programme exécutable, il faut passer par le biais de la classe. Donc, je vais créer classe et je vais la nommer programme. D'accord? Programme. Ici, Eclipse, il facilite la tâche. Il se peut, dans cette fenêtre, tu vas préciser, je souhaite avoir le mail. Pour dire que ma classe elle est exécutable, tu coches cette case et automatiquement tu vas avoir le main qui est créé avec la même chose que nous avons mis tout à l'heure, public static void main, un tableau de chaîne de caractères. Si je vais maintenant, si je souhaite afficher bonjour system.out.println ou bien .print bonjour tout le monde, bonjour mon premier programme Java. C'est une chaîne de caractères. J'affiche un message à l'écran. D'accord?
Donc, jusqu'à maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un programme qui affiche un message à l'écran. Tu souhaites l'exécuter? Tu vas cliquer par la droite ici. Faire Run as Java application. Et tu vas exécuter l'application. Et tu vas afficher ici, bonjour, mon premier programme. D'accord? J'ai dit pour créer une classe exécutable, il faut qu'il y ait le main. Et écrit de la même manière. Si je vais changer le nom, ou bien je ne vais pas changer, je vais faire le M en majuscule. Est-ce que maintenant ma classe elle est exécutable? Non, parce qu'elle ne contient pas une méthode main. Le main avec M majuscule, ce n'est pas le main avec M minuscule. Donc si je vais essayer d'exécuter ma classe, run as, il n'y a pas Java application. Donc ma classe n'est pas exécutable. Et tu ne peux pas l'exécuter dans le serveur parce qu'il ne s'agit pas d'une application web. Donc pour que ma classe soit exécutable, il faut qu'elle contienne la méthode main. Supposons elle n'est pas statique. J'enlève statique. Encore si je reviens ici, ma classe n'est pas exécutable. Je rends statique. Je vais mettre ici, au lieu d'un tableau de chaîne de caractères, je vais mettre une chaîne de caractères. Je vais mettre une seule chaîne de caractères. C'est quoi ça? String, quoi? String. Je vais mettre une seule chaîne de caractères. N'est pas exécutable. D'accord? Tu enlèves le n'est pas exécutable. Il faut qu'elle voit public statique void main un tableau de chaîne de caractères. Si tu n'y arrives pas à écrire ça, générer automatiquement. Le plus important que pour afficher un message, system.out.print. Une chaîne de caractères doit être entourée par double quote. Chaque instruction doit se terminer par virgule. Donc ce sont les premières règles pour créer déjà un programme qui affiche tout simplement un message à l'écran. Donc ça, c'est la première démonstration. Afficher un message à l'écran.